le dernier projet que nous avons fait, que c'est cette école que vous pouvez voir derrière nous. C'est la maternelle de Givante, parce qu'on a décidé de faire ça parce que les maîtresses, Monsieur Toussaint, le directeur, nous avait dit qu'il avait chaque année plus d'enfants et seulement avait deux petites classes. Donc on a vu la nécessité de faire une autre classe et c'est ça qu'on a fait, la grande classe pour la maternelle. C'est petite section, grande section, moyenne section et grande section. Nous sommes une petite association, donc nous avons des autres projets. Et, par exemple, on donne le petit déjeuner à la maternelle de l'école de Bonten. On a fait aussi un projet de théâtre, et un troupe de théâtre. Et on a été dans beaucoup de festivals. Bueno, beaucoup non, à Singapore, trois festivals. Ils nous ont invités à jouer. On a fait aussi un projet de sport l'année 2017. D'abord, on écoute. Pas on décide, on va faire ça parce que nous voulons. Non, 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 non. On écoute. On écoute les nécessités des gens, et surtout pour les enfants et les femmes, que ça, c'est notre objectif. Et bon, on a commencé pour l'école, mais c'est vrai que pour l'avenir, si on détectait qu'il y a plus d'écoles qui ont besoin de ça, nous sommes ouverts pour pouvoir faire une autre classe. On a vu que toujours, bon, c'est mon opinion, hein, toujours c'est Usui gagne toujours. Et les autres petits villages n'ont pas la chance de connaître des associations ou je ne sais pas quoi. Et finalement, on a dit pourquoi pas les petits villages de Usui qui sont du département de Usui. Et bon, on a connu M. Toussaint, on connaît ici Christine, que c'est la maîtresse de moyenne section. C'est pour ça que Christine nous a demandé la possibilité de faire une autre classe. Et maintenant, il y aura une classe pour chaque niveau. Ainsi, chaque maîtresse peut apprendre à les enfants dans son niveau. Sinon, avant, ils sont tous mélangés, la petite section avec la moyenne section. Et c'est pour ça qu'on a... On a décidé de faire la classe pour répartir tous les élèves à sa classe. Radio Kabysu FM 100.0 dans le Kassa.